Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une morning routine de l'été. Donc quand je me réveille, c'est souvent avec la lumière du soleil, je fais 2-3 étirements. Ensuite, je viens ouvrir ma fenêtre afin de faire rentrer l'air pour avoir moins chaud. Ensuite, je viens prendre mon petit déjeuner. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de boire du multifruit. Ensuite, je viens prendre une pêche que je viens couper en petits morceaux. Je trouve ça vraiment bien de prendre un fruit, ça fait rentrer plein d'énergie et tout. C'est vraiment génial, je trouve. Ensuite, je viens la recouper en petits morceaux que je viens mettre dans un bol parce que je trouve ça plus pratique qu'une assiette. Et ensuite, je le prends. Donc, je prends un verre de jus de fruits et ensuite, je mange mes pêches qui d'ailleurs étaient délicieuses. Ensuite, je viens ranger tout ça à la cuisine et direction la salle de bain. En premier, je me brosse les dents. Et je prends une douche. Donc je viens utiliser un gel douche de chez Brochet à la framboise et un gommage pour le corps de chez Manava. Je sors et je me change. C'est mieux comme ça, non? Ensuite, je viens faire un masque de chez Brochet. Et ensuite, un gommage. Ensuite, je viens appliquer mon eau précieuse sur le visage. Et je viens exfolier mes lèvres. Pour le maquillage, je viens en premier utiliser un correcteur de chez Yves Rocher, qui est vraiment super. Ensuite, je viens utiliser un pinceau de chez Yves Rocher, ainsi qu'une poudre de chez Nocibé, en teinte light brown. Ensuite, je viens prendre un pinceau de chez ELF, Biofibre, avec un blush de chez Yves Rocher, qui est le médium abricoté. Ensuite, je viens utiliser une base de chez ELF que j'ai un peu appliqué sur toute la paupière. Ensuite, je viens prendre deux pinceaux, donc un de chez C'est pour elle qui est un biseauté et un plat de chez The Body Shop. Donc ensuite, je viens prendre la palette, donc je prends la couleur la plus claire avec le pinceau plat que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Je viens prendre le pinceau biseauté et je viens prendre la couleur la plus foncée, donc qui est un marron. Et je viens appliquer un ratil et j'estompe avec mon doigt. Je fais la même chose sur l'autre œil. Donc c'est vraiment un maquillage nude qui est pas très flash. Ensuite, je viens prendre mon mascara, le volume million de cils et mon recourbe-cils. Donc je me recouvre les cils, celui-là vient de chez ELF. Et donc je viens prendre mon volume million de cils de chez L'Oréal, en teinte blonde, donc marron. Ensuite je viens prendre un gel à sourcils de chez ELF, transparent bien évidemment. Et ensuite je viens prendre un baume à lèvres de chez Aven, qui est vraiment super. Et un rouge à lèvres de chez Kiko, qui est le 903, que j'applique au centre de mes lèvres. Ensuite, je fais une queue de cheval, parce que c'est beaucoup plus pratique, parce que comme il fait chaud et tout. Et voilà pour le look final. Donc, mes chaussures, je n'ai plus la référence, donc je ne pourrai pas vous dire. Ma robe vient de chez Pinky, et mon sac, c'est un sac Longchamp Bordeaux, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour le maquillage et la coiffure. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Moi, je vous retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Bye !